c'est le départ du petit Lucky qui suit sa maman. On va les mettre au pré. On vient de le brosser et il est prêt à partir d'ici une heure et demie. Il aura quitté sa maison pour rejoindre son futur troupeau puisqu'il va partir en tant que reproducteur dans un autre élevage. Il a une rare génétique, il est pie, bon c'est pas très courant chez les ânes, mais aussi il est porteur ivoire comme sa maman qui est ivoire avec les yeux bleus. Petite naissance, un petit mâle. Ça c'est petit 4, une maman toy qui doit faire une quarantaine de centimètres. Et un petit bébé qui est pimentelé postérieur, couleur du papa, avec une légère dilution, mais vraiment quelques poils blancs. Troisième chargée, je crois que ça va pas tomber, surtout là dans les chemins qui sont irréguliers, ou le champ irrégulier. Ah, aujourd'hui on change les habitudes, changement d'horaire, on sort le matin au lieu de sortir en soirée, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Toute la journée s'accumule en chaleur au niveau des rochers, des cailloux, de la végétation, le soir il fait trop chaud, donc là on part le matin à la fraîche. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, certainement, elles ne vont pas très bien manger parce que, changement d'habitude, il va falloir 2-3 jours pour qu'elles s'habituent aux nouveaux horaires. Tu arrêtes, Olmeda. Toujours avoir ses têtes, tu la fixes pas. Olmeda, tu arrêtes.
pas qu'elle connaisse, c'est une question de sécurité sur la route. C'est une question de sécurité, si tu as une voiture, il te faut avoir un troupeau quand même un minimum resserré. Si tu as un troupeau sur 200 ou 300 mètres, c'est pas possible de gérer. Allez, on descend. Allez, Popo, on descend. Tu pourras passer dessous pour aller faire la sieste. T'es sûr de ça? Trésor, non. Tu m'as glissé joli. Je fais d'abord les plus grands champs qu'on perde le moins possible en qualité sur la quantité. Le grand pré déjà, tu fais la priorité le grand pré. Chercher les frênes. Voilà un petit ménage pour les chèvres en fin de quarantaine et les boucs. J'espère que ça suffira. Il y a un petit peu de tout. Il y a pas mal de frênes en dessous. Bon, j'espère qu'elles vont se régaler.
Il y en a qui attendent avec impatience. Et d'autres qui arrivent. Il est encore en panne. J'avais terminé de remplir le bac pour les canards. La fourche s'est abaissée. Et là, c'est comme si l'hydraulique ne marchait plus. Donc, bouton de traction qui se met à clignoter, il sonne. Impossible de mettre le bob en mouvement. Ce désenclenchement de sécurité ne se fait plus. Il n'y a aucune fuite. Je ne sais pas ce qui se passe. Je regarde partout les niveaux d'huile, du moteur, huile hydraulique. Et tout va bien. La sécurité bloque tout mouvement supplémentaire. Et évidemment, vendredi soir, systématiquement en panne. Enfin, deux semaines. Début de semaine, il faut arriver à avoir un garagiste qui se déplace sans attendre des journées, et puis qu'ils puissent commander les pièces, voir ce qui se passe. J'ai encore une semaine d'immobilisation, donc fumier, on arrête, les chèvres sont serrées parce que je les ai ensemble. Je ne peux pas nettoyer tous les pourtours de la ferme, je ne peux pas aller chercher la verdure, heureusement j'ai ça pour la journée, c'est toujours ça de prix. Pour tomber en panne systématiquement le vendredi soir, c'est un bob pervers. Bon, il est 10h30, Eric vient d'arriver avec les chèvres. Je viens de désenfermer, je suis en train de terminer de pailler le dernier groupe. Il me faut aller donner biberon. Les journées sont très longues. On a l'impression que rien n'avance. Tellement de choses à faire sur lesquelles on a du retard. Et on peut à peine faire quelque chose qu'il y a le double qui se rajoute. C'est compliqué. Ah, il y a Forest. Eric était prêt à partir avec la voiture, le chercher, parce que je pensais qu'il était resté dans le pré. Or, il l'a retrouvé là en rentrant, donc c'est débrouillé. Et Fofo, tu sais, à ton âge, il faudrait peut-être que tu arrêtes d'aller au troupeau. Hein? Mais oui.